Écoutez, écoutez, car vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il fut un temps bien sombre pour l'humanité, où regarder vers le haut était impossible. Hein? Oui. Le monde n'a pas toujours été tel qu'il est. Il y a de cela bien des neiges. Les hommes et tous les êtres vivants n'avaient pas le moral, mais un bien grand mal à la tête, car le ciel était trop bas. Il était si bas que les nuages ne trouvaient pas leur place. Oh, il était si bas que les arbres ne pouvaient pas pousser sans que leurs cimes ne rejoignent leurs racines. Ah, le ciel était si bas que même les oiseaux ne pouvaient pas voler. Mais ce qui était plus pénible encore, c'était que les hommes adultes ne pouvaient pas se tenir debout bien droit comme leur corps le leur demandait. Oui, ils devaient marcher tout penchés avec leurs pieds pour seul horizon. Les enfants, eux, échappaient à la malédiction qui frappait les grandes personnes, car ils étaient tout petits. Mais ils savaient qu'un jour, ils deviendraient à leur tour des adultes et devraient alors, eux aussi, marcher tout penchés avec leurs pieds pour seul horizon. À moins que quelque chose ne change. Un soir, tous les enfants se réunirent et décidèrent de relever le ciel à l'aide de grands bâtons. En les entendant, les hommes se mirent à rire. Eux qui avaient tant invoqué les esprits sans obtenir le moindre résultat. Mais lorsqu'ils virent les enfants dresser des bâtons vers le ciel, ils commencèrent à douter. Oui, mais le ciel ne céda pas. Les arbres, les oiseaux et les nuages ne trouvaient toujours pas leur place. Quant aux hommes, ils se tenaient toujours courbés, ne pouvant contempler que leurs pieds. Pourquoi le ciel se lève pas ? Le jour suivant, les enfants allèrent chercher des bâtons plus longs, beaucoup plus longs, et reprirent leurs efforts. Malgré leur bravoure, le ciel demeurait à sa place. Il se lève jamais ou quoi? Alors le lendemain, les enfants, de plus en plus audacieux, s'emparèrent de bâtons infiniment grands, si grands qu'on n'en voyait plus le bout. Ils se mirent tous à pousser et pousser et pousser. Et savez-vous ce qui se passa? Il s'est rien passé. Ben, le ciel s'est soulevé. Oui. Dans un grand fracas, le ciel se souleva. Depuis ce jour, le ciel est à la place que nous lui connaissons. Les arbres poussent sans contrainte. Les oiseaux sont enfin libres de voler. Et les nuages vont et viennent à leur guise.
Et les hommes, eux, pour la première fois, peuvent se redresser et contempler le ciel. Enfin, presque tous. Les enfants, il est l'heure de manger. Quoi ? Quoi déjà ? Allez, il est temps, mes petits braves. Oui, mon nez murmure à mon ventre vide qu'il y a du bison pour dîner. C'est mon papa qui a tué le bison. Eh bien, mes enfants, dépêchons-nous à présent, ou les coyotes se chargeront du bison fumé. J'aime pas les coyotes, ils sont méchants. Oui. Ah, j'oubliais. Ce qui est le plus extraordinaire encore, c'est que lorsque les esprits de la nuit ont envahi la plaine, le ciel, percé par les bâtons des petits hommes, s'est mis à scintiller. Dans chaque tour, il y avait une